Salut tout le monde. Avant d'expliquer sur quel jeu aura lieu cette série, je tiens juste à expliquer que si vous me voyez d'une manière bizarre, ce n'est pas un problème de caméra, c'est juste un avatar que j'ai fait de moi-même, avec un uniforme, afin de rendre plus réaliste ce let's play narratif. Comme je viens de l'expliquer avec cet avatar, cette série sera donc sous le format d'un let's play narratif sur Falcom 3 Total War, un mode de Medieval 2 Total War Kingdoms. Falcom 3 Total War est un mode dont le réalisme est poussé au maximum, puisqu'en effet, le mode est représenté par une carte du monde, ou en fait, un atlas total de la map du jeu, qui d'habitude est placé en Europe, et dans certains modes sur des morceaux de l'Asie. Et bien là, les créateurs du mode ont fait mieux. Eh ben, ils ont montré le monde dans son intégralité. Bon, certes, on ne voit pas totalement toute l'Amérique, il y a certains défauts, par exemple, certaines nations ont mal été faites. Mais déjà de se dire qu'un monde avec une carte aussi réaliste, on va pas cracher dessus. Donc ce mode est plutôt intéressant, de nouvelles nations comme par exemple l'Empire malien, les Apaches, les Mayas, les Incas, le Zimbabwe, hein, tiens, une nation dont on ne savait pas qu'il y aurait. Ben aussi, on peut aussi parler des nations indiennes qui ont été ajoutées, l'Indonésie, les Khmers, le Japon, le royaume de Ryukyu même, la Mongolie qui était déjà là de base, mais aussi les Djurchen ou les Mandchous. Donc ce mode vous donne la possibilité d'une conquête du monde totale et illimitée aussi, puisqu'au niveau temps, vous avez plus de 800 tours de temps restant. Et sachant que un tour est égal à une demi-année, vous pouvez faire une campagne jusqu'en quasiment l'an 3000. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas prêt de. Même si vous conquérissez le monde, vous pourrez toujours continuer comme vous voudrez. Donc, eh bien, voilà la présentation du mode. Donc, quel va être mon objectif à travers cette campagne? Eh bien évidemment, éliminer mes ennemis. Peut-être même reconquérir Jérusalem. Tant qu'on y est, peut-être dominer une partie du monde. Créer un empire franc millénaire. Un Reich. Dominer le monde. Sieg Heil. Bon, bref. Mais aussi l'essentiel, c'est de s'amuser un peu sur cette série, puisqu'en effet, le let's play narratif, ça sert à s'amuser et à rire, bien évidemment, avec l'histoire. Donc, par contre, vous attendez pas à ce qu'il y ait un épisode d'ici 2 3 semaines. Il va falloir un peu de temps, parce qu'en effet, je suis atteint d'un syndrome aussi appelé le syndrome du j'attends trop longtemps, aussi appelé le syndrome de la flemmardise. Mais j'espère qu'avant au moins le juillet, j'ai commencé le premier épisode. Donc, j'espère que vous aimerez ce concept et je vous dis à la prochaine. Bye. Quant à moi, je vais pouvoir retirer cet uniforme et le rendre à son propriétaire légitime. C'est bon, général, ne vous inquiétez pas, je vous le rends dans un instant.